Bonjour tout le monde. Comme promis, aujourd'hui on vous emmène découvrir Puerto de Mazarón. On a pris les vélos pour nous y rendre. C'est à plus ou moins 7 km de l'air El Moreral. On s'est garé sur la place de l'Office du Tourisme. On va faire toute notre visite à pied pour bien en profiter. Et on commence par nous diriger vers le Mirador del Cabezo del Gavilán. Il paraît que de ce mirador, on a un point de vue magnifique. Nous y voilà. On arrive sur une plage très agréable, avec en bout de plage le mirador. C'est impressionnant comme l'eau est d'un bleu vert transparent. Et effectivement, arrivé en haut, on a une vue vraiment superbe. On continue tout en longeant la plage pour nous diriger vers le club nautique où de là on peut également contempler une jolie vue grâce au mirador. Et effectivement, la vue ici est vraiment magnifique.
On poursuit notre balade, toujours le long de la plage, car c'est vraiment très agréable. Cette fois, on se dirige vers la plage Isla. Il paraît que ce serait la plus belle de Puerto de Mazarón. Nous y voici. Eh bien, personnellement, je trouve que les criques précédentes étaient beaucoup plus jolies. À présent, direction le centre-ville. Et on va faire que passer devant le centre d'interprétation du bateau phénicien, car il est fermé aujourd'hui. C'est bien dommage pour nous. On arrive ensuite devant le musée archéologique et l'usine romaine de Salaison. Là, on est un peu déçu, car on aurait bien aimé visiter. Mais on a trop traîné avant et du coup, c'est fermé. Dans ce musée, on peut y voir des vestiges de l'époque romaine qui servaient entre autres à la fabrication de salaisons et des sauces à base de poisson. Juste en face se trouve le port, avec tous ses bateaux de plaisance.
Allez flâner sur la promenade, c'est vraiment très sympa. D'un côté les bateaux et de l'autre les restaurants et les cafés. On arrive Plaza Campeón Pedro Acosta, où l'on peut voir cette statue en bronze en hommage aux pêcheurs. Pour finir notre visite ici, on se rend à la tour Sainte-Isabelle, ou la vieille tour du port, qui est en fait une tour de guet. Elle est située sur un promontoire qui, à l'époque de sa construction, dominait le port, ce qui permettait de voir arriver de loin les pirates berbères. Aujourd'hui, cette butte est englobée dans le centre-ville et malheureusement souillée par des gens peu respectueux. Il nous restait encore un lieu à voir avant de repartir. Direction Bolnuevo et ses surprenantes érosions appelées couramment Las Gredas de Bolnuevo. Nous sommes ici devant ce que j'appelle le miracle de la nature. Les érosions de Bolnuevo vieillent de plusieurs millions d'années, puisqu'ici on parle de l'époque du Pliocène, sont des formations rocheuses spectaculaires de silice et d'aluminium qui, après des siècles d'érosion par la mer, l'air et le sable, ont formé ces formations extravagantes. Du fait de leur composition, elles changent d'aspect sans cesse au fil des années. Certains y voient des champignons, d'autres un paysage lunaire. Et voilà, notre balade à Puerto de Mazarón et à Bolnuevo se termine ici. J'espère que la visite vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire qui me fait toujours plaisir. Et pour continuer à suivre notre voyage en Espagne, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.